Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans le Cher. Je vais pêcher sur la jonction de deux canaux. Donc j'ai choisi de pêcher sur la partie la plus sauvage, celle où il n'y a pas de pale planche. Là la végétation elle est tombante dans le canal. Et ça fait une heure à peu près que je me promène dans le coin. C'est là que j'ai vu un petit peu d'activité. Donc j'ai commencé de m'installer. Bon, ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est que les berges sont très abruptes. Mais bon, j'ai mis les pieds plus longs sur la station. Alors, j'aime pas trop pêcher en hauteur. Mais bon, j'aurais dû prendre ma pioche. J'ai complètement oublié. Ça m'aurait permis de redescendre un petit peu la station. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai réussi à m'installer à peu près correctement. Et puis, je vais me dépêcher de remouiller l'amorce, puisque j'ai sorti de l'amorce du congèle. Et je vais amorcer d'ici un petit quart d'heure parce que je pense que cet endroit n'est vraiment pas souvent pêché. Il n'y a rien qui est frayé, l'herbe elle a pas bougé. Donc le poisson doit pas trop voir de l'amorce, ni des asticots, ni des pelés, tout ça. Donc ça sera peut-être un petit peu long à rentrer. C'est pour ça que je vais essayer de me dépêcher. J'ai 5 heures de pêche devant moi, donc je vais essayer d'optimiser au maximum. Pour l'amorce aujourd'hui, ça va être hyper simple. En fait, il me restait de l'amorce de la dernière vidéo, quand je suis allé pêcher les grosses brèmes sur l'Allier. Donc je l'ai congelé. J'ai environ 1,5 kg d'amorce préparée. Je pense que ça ne sera pas ma pêche principale, l'amorce. Parce que dans tous les canaux que je ne connais pas, souvent ce que je fais, c'est que je mets de l'amorce à 6 mètres. Et à 11 mètres, je mets un gros tapis pour faire des beaux poissons, pelés, graines, pâtes, enfin des choses qui sélectionnent un peu plus que l'amorce. Donc quand vous sortez une amorce du congèle, forcément elle sèche un petit peu avec la congélation. Donc là, je vais juste la réhydrater un petit peu. Donc pour ça, je vais utiliser de la mélasse. Ça va lui redonner un peu de texture. Et puis ça va me permettre de refoncer un tout petit peu le mélange. Parce que là, le fond du canal est un peu foncé. L'eau est quand même un petit peu claire. Donc je vais éviter d'avoir une amorce qui tache un peu trop sur le fond. Voilà, donc là ça me fait une amorce qui tire un peu plus sur le marron. Voilà, mais là ça a permis de refoncer un petit peu le mélange, lui redonner un peu de texture comme l'amorce à tanche en fait, hein, quelque chose d'assez spongieux. Alors il faudra pas trop la serrer, sinon elle va pas travailler sur le fond. Alors la base d'amorce c'était à peu près 2/3 de power crunchy en sweet corn et 1/3 d'amorce gros poisson. Et j'avais mouillé cette amorce avec du gros tourteau de maïs. Donc c'était à la base c'était une amorce pour pêcher les grosses brèmes sur l'Allier. Donc vraiment une amorce à gros poissons. Pas du tout pour faire des petits gardons ou des choses comme ça. Alors sur cette ligne droite du canal, donc il y a très longtemps, il y avait des concours de pêche qui s'organisaient tous les ans au mois de juillet. Et ça se gagnait avec des très très gros poissons-chats. En fait, cette ligne droite, elle est très réputée pour ça. Donc c'est pas du tout les poissons que j'ai envie de pêcher. En temps normal, sur une approche comme ça en canal, j'aurais utilisé un maximum de produits carnés. Aujourd'hui, je vais changer un peu mon fusil d'épaule et je vais partir sur les nouveaux pelés, donc sur une base fruitée. Le cream cranberry, donc une base crémeuse avec du fruit. Donc les pelés surdosés en 3 mm, ça va être bien sûr la base de mon amorçage sur la canne à 11 mètres, puisque je vais faire un gros tapis et je vais les mouiller avec l'amino booster qui va avec. Alors forcément, on a également, pour mettre à l'hameçon, les deux pelés d'échage, donc en 6 et 9 mm. Donc ça, ce sont des pelés qui sont prêts à mettre à l'hameçon, c'est pas fait pour amorcer, hein. Vous amorcez avec les petites 3 mm et vous pêchez avec cela par-dessus. Voilà, donc je vais
Je vais préparer ces pelés. Bon, pour ça, vous connaissez, hein, il suffit de mettre un petit peu d'eau, un petit peu d'amino booster. On les laisse gonfler pendant 10 minutes et après, ils sont prêts pour être posés à la coupelle. Bon, j'ai également ressorti le bed dropper aujourd'hui. Je vais voir comment ça se passe. Mais de temps en temps, ça arrive que ça coule un peu. Donc, quand on va amener une coupelle de petites particules, ça peut glisser assez loin. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré quand même prendre le bed dropper pour remettre les poissons bien précis sous le sion, si jamais le courant se met à bien tirer. Là, pour l'instant, ça va, c'est assez calme. Ça a l'air de pas trop bouger. Alors, pour les éches, ben, j'ai des pelés diaboliques spécial brême que j'ai préparé justement avec l'arôme cream cranberry. D'autres pelés diaboliques, mais plus avec de la farine de poisson. Donc ça, pour l'instant, je mets de côté. Je ne vais pas les utiliser tout de suite. Donc des gauzeurs vivants, des jaunes, quelques rubis de la semaine dernière. J'ai des rubis noyés dans l'eau que j'ai mis à tremper avec l'amino booster cream cranberry. J'en ai d'autres avec des blancs au milieu. J'ai du maïs rouge, donc les pelés d'échage que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai quand même fait un peu de pâte pour plus tard, sur le coup à la canne, on ne sait jamais. Du chenvi, voilà, pour amorcer à 11 mètres. Et puis bien sûr, les pelés surdosés, voilà. Et hier soir, j'ai ramassé un tout petit peu de terreau, juste pour mettre à l'hameçon. Voilà, ils sont tout frais, parfait. Alors pour le coup à 6 mètres, j'ai fait 8 ou 9 petites boules, pas trop serrées. C'est une amorce qui est assez lourde et bien grasse. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de courant. Alors pour le coup à 11 mètres, je vais mettre deux grosses coupelles de pelés surdosés. Je vais vraiment faire un gros tapis de petites particules pelés surdosés chenvi. Donc 8 ou 9 petites boules d'amorce à 6 mètres, 2 coupelles de pelée et une coupelle de chenvi à 11 mètres avec quelques grains de maïs par-dessus. Donc j'ai à peu près 1m20, 1m30 de fond. Entre mon coup à 6 mètres et à 11 mètres, ça varie de quelques centimètres, donc c'est plutôt bien. Je vais commencer avec un flotteur BR4 en 1 gramme. Bon, de toute façon, c'est la ligne qui était montée sur le kit, donc ça va le faire comme ça. Vu que ça coule un petit peu, c'est très bien. 1 gramme, ça devrait tenir correctement. Alors finalement, ça tire quand même pas mal au niveau du courant. Je suis en train de me dire que l'amorçage que j'ai fait à la coupelle à 11 mètres, ça se trouve, il a sûrement dégringolé un petit peu. Donc je pense que je vais rapidement monter mon bed dropper. Et puis je vais recharger propre sur le fond à 11 mètres parce que je voudrais pas non plus que les poissons rentrent trop bas sur la coulée. Après, disons que je vais mal pêcher, donc c'est pas la peine.
Voilà, donc deuxième coulée. Belle brume. Voilà, donc je l'ai pris avec un gauzeur rouge. Encore une belle brème. En tout cas, les poissons sont bien rentrés sur l'amorce. Voilà, donc à peu près 30-40 minutes de pêche, j'ai fait 3-4 brèmes dans le premier quart d'heure. Après les 20 minutes suivantes, j'en ai pris qu'une seule. Donc là, je vais changer de ligne. Je vais passer sur un flotteur, alors c'est un K3 en 0,50. Je vais mettre un grain de maïs, un petit grain. Et je vais voir s'il n'y a pas... quelques beaux gardons, peut-être un plus gros poisson qui se serait installé sur l'amorce parce que ça s'est arrêté d'un seul coup. Donc j'ai quand même remis deux boules à la coupelle. Et puis je vais rapidement monter mon bait dropper parce qu'en fait ça commence à bien courir, ça descend sur la gauche. Et je voudrais pas que tous les pelés de 3 mm se retrouvent trop loin. Ah non, mais c'est toujours une brème. En fait, il fallait peut-être tout simplement changer un peu d'éche. C'est vrai que j'ai pêché que au gauzeur quand j'ai commencé la pêche. Elle est un peu plus grosse. Ah, c'est vrai que j'avais mis quelques grains de maïs quand même dans l'amorce. Vous voyez, elle est un tout petit peu plus grosse que les autres. Elle a pris direct le grain de maïs hein, dès que la ligne est arrivée. Ah, un beau poisson. Surtout bien garder les poissons. Ouais, ce que je fais, c'est que j'agraine quelques petits pelés surdosés assez régulièrement. Ah, c'est une brème, elle a fait un démarrage comme une carpe. Hein. J'ai cru que c'était un petit carpeau. Ah, elles sont quand même un peu plus grosses au maïs. Et on va aller faire un petit tour à 11 mètres.
Voilà, donc bizarrement, à 11 mètres, je viens de faire un beau rotangle. Alors, pour le bed dropper, en fait, je l'ai fixé sur un kit avec un très gros élastique. Voilà, donc j'ai fait le même nœud qu'une ligne à carpe avec les deux boucles. Et puis, j'ai fixé directement le nylon sur la boucle qu'il y a sur le haut du bed dropper. J'ai mis de l'excellium en 60 centièmes. Donc là, je pense que je peux lever des parpaings, il n'y a pas de souci. Je risque pas de perdre le bed dropper. Alors, pour l'utiliser, il faut juste... Enfin, c'est plus pratique de prendre un petit collier. On va fixer sur le kit. Ça va nous permettre de l'emmener tranquille à 11 mètres. Donc pour ceux qui ne connaissent pas en fait le système, c'est d'amener le bed dropper au fond. Dès qu'il touche le fond, il s'ouvre. Après, il libère tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais le remplir avec du chêne vie. Et puis je vais remettre un plein bed dropper de petits pelés surdosés. Voilà, je me doutais de toute façon qu'avec le courant qu'il y avait, les petits pelés seraient descendus beaucoup trop. Surtout qu'à 11 mètres, ça tire un peu plus que sur la bordure. Donc là, je vais recentrer un peu mieux mes poissons. J'ai pris un rotangle vraiment 2 mètres derrière. Et puis, j'ai eu les touches pareilles. Donc là, je vais ramener vraiment à la pointe de ma canne. Là, je suis bien droit. Il suffit juste de descendre. Venir toucher le fond. Et on ramène. Alors vous inquiétez pas, ça fait du bruit sur le fond. Ça dérange absolument pas les poissons. Thank you.
là, le canal s'est mis à couler énormément. En fait, ils ont dû ouvrir les pelles un peu plus bas parce que là, on a l'impression d'être sur une rivière. Il faudrait un flotteur plat de 10 grammes pour pouvoir tenir la ligne. Et donc, je suis revenu sur le coup en bordure, mais forcément, quand ça court comme ça, c'est pas facile de prendre les poissons. Donc, j'espère que ça va s'arrêter parce que bah, sinon, je serai obligé de plier. Puisque là, bah, j'ai pas ce qu'il faut pour pêcher comme ça. Alors déjà, quand ça coulait pas beaucoup, les poissons avaient un peu de mal à mordre. Donc là, c'est carrément mort. Bon, la fin de la pêche a été relativement difficile. Avec vraiment un gros coup d'eau pendant une heure où c'était impêchable. Donc dès que ça s'est calmé, j'ai remis deux ou trois bêtes droppers sur le coup à 11 mètres. Tout de suite, j'ai refait une ou deux brèmes. Et en fait, après, le courant s'est totalement inversé. Enfin, il y a eu une période d'un quart d'heure, 20 minutes où il n'y avait plus de courant. Et après, c'est reparti dans l'autre sens. Donc je pense que le poisson était totalement perdu. Et là, la dernière demi-heure, j'ai eu plein de petites touches sans jamais réussir à faire un poisson finalement. Alors aujourd'hui, il fallait constamment alterner le coup à 11 mètres et le coup à 6 mètres. Au niveau des lignes, j'ai pêché avec un flotteur en 1 gramme. Donc c'est la ligne qui m'a permis de pêcher sur le coup en bordure. Et là, j'avais un élastique creux fluo en 1,3 mm. Donc ça, ça allait plutôt bien pour les brèmes. Ensuite, j'avais monté pendant qu'il y avait un peu plus de courant un flotteur K4 en 2 grammes pour pouvoir tenir un peu mieux la ligne. Et j'ai réussi à faire quelques poissons sous la canne à 11 mètres. Des poissons qui sont revenus vraiment précisément sur l'amorçage que j'ai pu faire avec le bait dropper. Et au tout début de la pêche, j'avais monté un flotteur K3 sur la bordure pour faire éventuellement quelques plus gros poissons, mais c'est également des brèmes qu'on mordu. Donc là, dans la bourriche, j'ai quasiment que des brèmes. J'ai fait une ou deux ablettes sur la fin, quand c'était très compliqué. J'ai juste pris un beau rotangle quand je suis allé sur le coup à 11 mètres tout de suite. Mais j'ai vraiment fait que des brèmes. J'ai décroché un gros poisson sur le coup de bordure. Je pense que c'était une tanche. Mais j'ai pas eu le temps de voir. Voilà, donc c'était quand même assez difficile. Je pense qu'on est en pleine période de fraye parce que la majorité des brèmes sont pleines de boutons. Elles sont pas du tout baveuses. Et puis, quand on voit les touches, le nombre de petites touches qu'on a et par rapport au nombre de poissons que j'ai pris, effectivement, on peut se dire que le poisson va vraiment rentrer en fraye peut-être d'ici 2-3 jours. Et là, en plus, avec la chaleur qu'il y a aujourd'hui, je pense que ça va s'accélérer. Bon, néanmoins, c'était quand même une bonne pêche, il y avait pas mal de beaux poissons à faire. J'ai fait des brèmes qui faisaient entre 5 et 500 grammes et 1 kg. Alors c'est vrai que c'était bien parti ce matin, et puis dès que le soleil a commencé de monter, ça s'est quand même calmé. Et après, avec les mouvements d'eau, bon, ça devenait beaucoup trop compliqué à pêcher. En fait, ce qu'il aurait fallu là sur la fin de la pêche, c'était un flotteur plat de 10 grammes et pêcher bien calé sous le sion. Je pense que c'est comme ça que j'aurais pu faire des poissons. Bon, j'avais pas prévu cette pêche là. Bon, néanmoins, avec le bait dropper, j'ai pu quand même bien recentrer les poissons sous la canne à 11 mètres. Donc ça, c'est vraiment l'arme absolue pour faire rentrer le poisson précisément. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour bien concentrer le poisson sous la canne. Notamment dans un petit canal comme ça où à certains moments, il y avait des gros tirants d'eau. Donc dès que le courant se calmait, bah, en fait... je remettais un bait dropper de petits pelés de 3 mm et de chaîne vie. Alors pour le coup à 11 mètres, j'ai utilisé des pelés surdosés en 3 mm, du chaîne vie et puis quelques gros pelés diaboliques. Et sur le coup à 6 mètres, donc j'avais un reste d'amorce décongelé où j'ai remis de la mélasse. L'amorce, c'était de la Power Crunchy Sweet Corn et un peu d'amorce maison gros poisson. Voilà, un truc tout simple. Donc j'ai fait ma pêche avec 1,5 kg d'amorce décongelée et puis un paquet de pelés surdosés pour le coup à 11 mètres.